En fait, on se connaît depuis assez longtemps avec Quentin et c'est vrai qu'on s'était retrouvés un soir au coin du feu avec nos guitares à chanter cette chanson qui est notre chanson préférée de son père en fait. J'ai trouvé que les arrangements étaient tellement gainsbourgiens, enfin en tout cas je trouve qu'il y a du Gainsbourg dans cette chanson, il y a une sensualité. J'ai chanté comme ça avec lui. Et quand la maison de disques a écouté, ils ont dit « Ah non mais c'est génial, on garde voilà. !» Quentin au départ voulait absolument pas chanter et quand je suis venue faire cette voix témoin en studio, il s'est passé quelque chose en fait. Et on s'est aperçu que nos deux voix marchaient très bien ensemble, qu'il y avait un charme. Et il s'est retrouvé piégé parce qu'on se dit bah « Non, c'est trop bien, il faut que ce soit toi. » Et je sais que c'est pas trop ton truc d'être chanteur. Quentin, il n'aime pas se montrer. Il aime vivre dans le studio, dans l'ombre, mais c'est pas du tout un entertainer. Et je crois que ça a été dur pour lui de se rendre compte que bah, ce qu'il avait fait, c'était quand même vraiment bien et qu'il pouvait pas faire autrement. Tu l'as rêvé.